Salut, donc ici je vais vous montrer en fait comment miner autre chose que le Bitcoin, mais toujours en restant dans le cryptage SH256. Donc tout ce qui se mine par clé, ASIC, mining ou Butterfly. Donc actuellement moi j'ai un Butterfly qui ressemble à ça. Ça mine du 30 GHz à peu près. Donc on va l'ajouter dans les hashrates. Donc là on voit avec une petite clé je suis à 32 000, ça représente 32 000 gigas. La consommation électrique, qui va vous faire un petit calcul. Donc vous cliquez sur calculer sans cliquer sur script, hein, bien sûr. Script c'est toutes les monnaies qui se minent par carte graphique, qui n'a rien à voir. Et en fait là on voit que c'est le Uno qui est le plus rentable aujourd'hui, 18 $ par jour. Contrairement au Bitcoin qui est à 9 $, avec ma machine hein, bien sûr. Là on va prendre l'exemple sur la monnaie XIO. Et donc on voit que si j'en mine 258 par jour avec ma machine actuelle. On va faire une petite recherche, on va aller sur bitcointalk.org et on va tomber sur la monnaie XIO. Bien sûr, on vérifie bien qu'elle est en SH. En SHA, je convertis toujours les deux lettres. On voit un peu comment éliminer, etc. Les ports, la difficulté, les informations, vous pouvez lire les commentaires. Et en fait, nous ce qu'on cherche c'est le pool, où se connecter pour pouvoir miner en groupe, en fait. Et donc, je vais prendre le mien, xio.mylpl. On va créer un compte, bien sûr. Et la première chose à faire, c'est d'aller dans le worker. Donc, là, on voit, c'est le mien. Changer le vôtre. Hein. Donc, on va créer ici, taper. Il va prendre en fait votre pseudo, Avalandre. Et vous allez créer un petit code, un petit machin. Moi, j'ai mis xio. Et un mot de passe, je mets un petit mot de passe bidon, 4 chiffres. Voilà, et vous allez faire sur add, donc je vais faire avec vous, test. Password, vous tapez X, et vous faites add new worker, il va s'ajouter ici, donc vous voyez. Et je vais passer sur une deuxième vidéo après, quel logiciel utiliser pour se connecter sur ce pool.